sorcière-ci, je viens d'avoir une frayeur. J'ai cru que mon cœur s'était remis à battre. Le conte de ce soir va vous entraîner dans une folie médicale meurtrière qui vous fera frémir en voyant les risques que l'on court en espionnant chez ses voisins. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez envie de le faire, souvenez-vous que la curiosité mal placée est toujours punie. Tout vous dire, ça a été extraordinaire. On était deux inconnus dans cette ville. Et par le plus grand des hasards, on s'est rencontrés au même coin de rue. Au même instant. Est-ce que vous vous rendez compte? Si je m'étais arrêtée pour regarder une vitrine, ou si Paul avait pris l'ascenseur une minute avant ou après, nous ne serions pas mariés. C'est un miracle. Oui, c'est ça. C'est ce que je crois. N'est-ce pas, chérie? C'était assurément mon plus beau jour de chance. Et le plus beau jour de ma vie. C'est le signal du départ. Bonne nuit et joyeux anniversaire. Bonne nuit. Oh là là, il me tarde d'enlever ce déguisement. Bonne nuit. Bonne nuit et merci. Merci. Ciao. Rentrez bien. Et au revoir. Je pense. Oui, je sais. Moi aussi, je pense à ce que tu penses. Oh, j'ai un cadeau pour toi. Ah, où ça? Je l'avais caché. Je voulais pas que tu le trouves. Comment ça? Tu veux pas qu'on en parle maintenant? Et pourquoi, s'il te plaît? Ah, t'as encore mal à la tête? Eh ben, va prendre un cachet. C'est très important pour moi qu'on ait une explication. On sort tellement rarement que je me faisais une joie d'aller à cette fête. Pourquoi tu n'as pas voulu y rester plus de 5 minutes? Oh non, non, n'essaie pas de me faire taire, hein. Je veux savoir pourquoi tu as voulu rentrer. Parce que tu as vu que je m'amusais? Parce que je pouvais passer une bonne soirée? Réponds-moi! Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu éteins? Pourquoi tu ne dis rien? Je suis pas une de tes malades, hein. Quand je pense que tu fais croire que tu peux communiquer avec les gens... Joyeux anniversaire, mon trésor. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Mon amour, s'il te plaît. Mais dis-moi ce qui t'arrive. Ça va aller. Hey, calme-toi, essaie de respirer. C'est rien, tu verras. Ce sera rien. Allez, tout va s'arranger. Je vais chercher un médecin. Hein? Je reviens tout de suite, calme-toi.
Le médecin est là. Asseyez-vous, Madame Hastings. Asseyez-vous sur le canapé, je vais vous examiner tout de suite. Chérie, tu connais le docteur Trask? Il habite l'immeuble en face. Je l'ai laissé seule 5 minutes tout au plus. Quand je suis revenu, je l'ai trouvée sur la terrasse. Elle ne pouvait plus ni parler ni bouger. C'est très curieux. C'est un peu comme si on lui avait jeté un sort. Elle n'a pas dit un mot depuis que c'est arrivé. Oui. Où était-elle exactement quand ça s'est produit? Est-ce que vous pourriez me montrer? Oui, bien sûr. Elle était là, sur la terrasse. Qu'est-ce qu'elle a, docteur? Monsieur Hastings, je vais avoir besoin de votre aide. Oh! Tenez votre femme, monsieur Hastings, je dois absolument lui faire une piqûre. Ah! Ah, Suzy, c'est moi, Paul. Vous lui faites une piqûre de quoi? C'est un calmant léger. Chérie, tout va bien. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. On doit lui faire des examens aussi vite que possible. Je vais la faire entrer à l'hôpital. N'aie pas peur, mon amour. Tu es à l'hôpital. On t'a mis cette camisole juste pour que tu ne te fasses pas de mal. Ils vont te garder ici cette nuit en observation. C'est dû à un choc ou une espèce d'attaque? Votre femme traverse une épreuve difficile. Elle est fatiguée, elle est fragile et séduit du temps. Mais que s'est-il passé? Que dois-je faire? Vous devriez rentrer chez vous et essayer de dormir un peu. Est-ce que je peux rester avec elle? Je ne vous le conseille pas. Partez tranquille, elle est en sécurité avec moi. Demain, je lui ferai les examens et nous aurons une idée de ce qui la perturbe. Appelez-moi demain. Maintenant, suivez mon conseil. Rentrez vite chez vous. Docteur Trask dans la chambre 19. Monsieur Hastings s'en va, s'il vous plaît. Ouvrez-lui la porte. Il faut que j'y aille, Suzy. Le docteur Trask va bien s'occuper de toi. Et demain, je serai là la première heure. Je m'en charge. C'est bon. Allez, Suzy. Non, qu'est-ce que vous faites? Doucement, doucement, doucement. Partez, monsieur Hastings. Ça ne sert à rien que vous restiez. Soyez tranquille, je ne vais pas la quitter. Desk. J'ai le cœur fragile. La fatigue, l'énervement, le bruit et puis le fait de parler sont des facteurs qui aggravent terriblement mon état. Que je pourrais vous expliquer mon geste. Mais je crois que je préfère éviter d'entrer dans les méandres des justifications. Vous savez que vous êtes dans un établissement qui accueille jusqu'à leur mort des malades mentaux irrémédiablement atteints. Un hôpital privé qui accueille peu de monde. Et j'en suis à la fois le directeur et le médecin-chef. J'ai déjà fait mon diagnostic. Vous êtes une psychotique très dangereuse que je dois empêcher de s'autodétruire. Oui, je sais que ça doit vous paraître injuste, mais...
C'est la punition que vous méritez pour vous être introduite dans la vie de vos voisins. Ce n'est pas la peine de croiser vos genoux aussi nerveusement. Je n'ai pas la moindre intention de vous déshonorer. On essaie de limiter autant que possible ce genre de pratique ici à Long Hill. Desk. Docteur Trask, chambre 19. Madame Hastings est prête pour sa piqûre maintenant. Bonne nuit, Suzanne. Quelque chose de très particulier est arrivé à votre femme et cet événement l'a bouleversée et traumatisée. À l'heure actuelle, elle ne peut pas ou elle ne veut pas nous en faire part et la seule solution, c'est donc d'attendre. Attendre, mais attendre quoi? Attendre qu'elle puisse réagir. Ce sera peut-être demain. Ou ça prendra des années. Vous êtes une gentille fille qui a faim. Vous ne ressemblez pas aux autres. Encore un peu. Très bien. Les carottes, c'est très bon pour les nerfs. Et ça fait du bien au cerveau. Qu'est-ce qu'il fait exactement pour elle? Pourquoi il lui lâche la camisole de force? Je suis sorti de la salle de bain. J'ai vu que Suzy était sur la terrasse. Alors j'y suis allé. Ça fait 13 ans que je fais de la recherche médicale dans un laboratoire. Jamais je n'ai entendu dire qu'un être mentalement sain était devenu fou dans l'espace de 5 petites minutes. Je regrette, je n'y crois pas. Dolores, tu devrais la voir. Elle n'aimait que des sons. Elle ne sait pas où elle est, ni même qui je suis. Elle m'a frappé avec un club de golf. D'où connais-tu ce médecin? Qui te l'a recommandé? Arrête, ça suffit. Suis mes conseils, prends des renseignements sur lui et sur son hôpital. C'est tout ce que je te demande. Si c'était moi, je te garantis que je remuerais ciel et terre, rien que pour être vraiment sûr que Suzy est soignée comme il se doit. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça m'ennuie, mais je vous avoue que je commence à m'inquiéter. Il n'y a aucune amélioration. Peut-être avez-vous oublié des détails importants. De quel genre? C'est votre anniversaire de mariage que vous fêtiez ce soir-là. Il arrive souvent, au cours des premières années de vie commune, que le bruit, les incessantes jérémiades... Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'on ne s'entendait pas? Eh bien, vous vous trompez. On était heureux, même si on avait des petits problèmes, comme tout le monde. Oui, bien sûr. Vous vous entendiez très bien. Suzy s'est toujours comportée normalement, aussi normalement que vous et moi. Le psychisme est une sorte de kaléidoscope. Une légère modification arrive à en transformer la structure. Ce qui avant était rassurant et familier devient parfois terrible et terrifiant. À mon avis, c'est ce qui est arrivé à votre femme. J'ai du mal à le croire. Oui, docteur. Monsieur Hastings va s'en aller. Je reviendrai. Le comportement du mari risque de devenir défavorable à l'évolution de la patiente. J'ai décelé une légère forme de paranoïa, sans parler de diverses défaillances d'ordre psychosexuel. Il risque de perturber le traitement. À partir d'aujourd'hui, je surveillerai toutes ses visites, personnellement. Très bien. Ça va aller, ma chérie. Tout finira par s'arranger. Je vais trouver ce qui s'est passé. Et tu rentreras à la maison. Oui, tu reviendras à la maison avec moi. Parle, s'il vous plaît. Je vous remercie. Que puis-je faire pour vous? Je veux voir Suzy. Mais bien sûr. Non! Pas
son image. Je veux voir Suzy. En personne. Je vous en prie. Mon amour, tu me manques tellement. Je pense constamment à ce soir-là. Je me suis repassé le film des centaines de fois. Je me revois aller dans la salle de bain, chercher le bracelet et te laisser seul. Et quand je suis revenu, tu étais pétrifié. Si seulement j'arrivais à comprendre. Pourquoi ? Mais enfin, qu'est-ce qui a pu se passer quand j'étais dans la salle de bain ? C'est dans la salle à manger que ça a dû arriver. Et quelqu'un a téléphoné ? Et j'ai pas entendu ? Dehors, tu as vu quelque chose dehors ? Tu as vu quelque chose dehors ? Et c'est pour ça que tu ne peux plus parler ? Mais qu'est-ce que c'était ? Hein ? Quelque chose de terrible ? Avec quelqu'un que je connais ? Le docteur ? Trask ? Tu as vu Trask ? Oh, qu'est-ce qui... Je vous félicite, monsieur Hastings. Vous auriez été très doué pour les charades si vous aviez pu continuer à vivre. J'ai renvoyé monsieur Hastings se reposer. Fermez toutes les grilles. Ouais, mais c'est un cas de légitime défense. Ah, l'amour. Ça compliquera toujours les choses. C'est agaçant. On a mangé et pris son bain. Après la pilule, on fera une longue sieste. Tout se passe bien, docteur. Merci, Desk. Je suis beaucoup trop fragile pour arriver à tout assumer. Mon cœur est trop fatigué pour accepter tant de violence. Alors c'est vous que je vais opérer. Je vais pratiquer une lobotomie. Nous savons, vous et moi, que vous ne pourrez survivre au coup de bistouri. La délicate situation où nous nous trouvons doit être résolue absolument. C'est si agréable d'être ici avec vous, Suzanne. C'est si tranquille. Je ne laisserai à personne soin de vous libérer. Maintenant, je vais vous enlever votre camisole.
Espèce de vipère! Si je ne peux pas les prendre, il me tient trop. J'ai du mal à respirer. Vous n'avez pas le droit de rester là à attendre que je meure. Je veux vous regarder. Vous méritez de mourir. Vous êtes un assassin. Je suis Madame Hastings, la patiente de la chambre 19. Il est arrivé un horrible accident. Le docteur Trask est mort. Mort. J'espère que cette histoire vous a fait tendre, mais pas autant que ce pauvre docteur Trask. C'était un méchant avec un cœur qui lui a joué un sale tour. Le jour où il croyait imposer le silence à Suzanne pour toujours, elle lui a dit ses quatre vérités. Ça vous plairait de savoir ce qu'elle a fait de sa vie? Venez m'enlever cette camisole et peut-être que je vous le dirai.